Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, les gars, Pakicon 91+, en espérant paquet dur. N'oubliez pas de poser avec de vos abonnés et de partager un maximum la vidéo. Surtout que dans 5 jours, les amis, c'est mon anniversaire. Si vous voulez, les gars, me faire un magnifique cadeau, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Objectif de 185 000 abonnés pendant 5 jours, les amis, pour le 14 décembre, où je vais fêter mon anniversaire. C'est parti, les gars, 91+, c'est ouvert. Allez, s'il vous plaît, une icône de zinzin, gardien italien, Gianluigi Buffon. En vrai, c'est dommage parce que bon, 91+, je t'attends à avoir un R9, je t'attends à avoir un Ronaldinho. Et tu repars avec Didier Buffon. Bon, c'est un top gardien, y'a rien à dire. Au moins, t'auras un bon gardien. Mais c'est vrai que c'est pas ce que tu veux de base, tu vois. C'est pas ce que tu veux de base. Mais en tout cas, t'as le meilleur gardien du jeu. C'est ce que tu peux retenir, mon frérot. C'est que là, t'as un gardien que tu vas pouvoir garder pendant quand même pas mal de temps. Pendant même une grosse partie de l'année, j'imagine. Donc en vrai, t'es au top du top. Surtout que de base, c'est une compensation. Donc t'es magnifiquement bien, frérot. T'avais qui toi en gardien déjà? Il avait qui de beau les gars au goal? Il avait Petr Cech. En plus il est pas bon je trouve Petr Cech honnêtement. Moi j'ai pas trop aimé Petr Cech. Didier Buffon ça sera beaucoup mieux. Voilà magnifique tout ça mon frérot. Les amis Pakicon sur mon compte. J'espère qu'on va repartir les gars avec du très très lourd. 61% du chat pense qu'on aura à 90 ou plus. Mais j'espère les amis que ce sera la bonne réponse. Moi je vous le dis c'est parti, c'est ouvert les gars. On aurait pu c'est vrai appeler le soldat. Mais on va pas appeler le soldat aujourd'hui. Ailier gauche. Oh là là ça va être John Barnes les frérot. Qu'est-ce que vous en pensez les amis honnêtement? Est-ce que pour vous c'est une win ou une lose les gars? J'ai pas trop quoi en penser de John Barnes. Pour moi c'est sympa, mais comme je l'ai toujours dit, c'est un joueur compliqué à jouer. Pourtant de base, sur sa carte, il a pas des stats si dégueulasses que ça. Je vais pas jouer les gars. Je vais absolument pas jouer. Il peut jouer AG, MG, MOC. Il va clairement pas rentrer dans mon équipe. Et moi en tant qu'ailier, j'ai déjà Nico Williams qui est déjà impressionnant. Alors, en tant que numéro 10, je joue personne. Voici d'ailleurs les gars ma team pour ceux qui voudraient l'avoir les amis. Là voici Lionel Messi, Jerzy, Rafinha, McAllister, Zé Roberto, Nico Williams, le beau vieux Fernand Mendy, Mickey Van de Ven, Virgil Van Dijk, Malo Gusto et Edwin Van Der Sar, ça c'est mon équipe. C'est vrai que je la monte pas souvent en soi mon équipe. Ouais, John Barnes, les gars, ça va pas passer. Hein. Vinicius Junior, Smith, Rafinha, Hamzik, Michael Hollis, Emmanuel Petit, Théo Hernandez, Campbell, Bastoni, Malo Gusto et Petr Cech. Ah, tu mets Neymar carrément toi sur le banc. Ouais, t'es chaud, frérot. Moi, si j'avais Neymar, les gars, je le titulariserais direct. Non, j'ai pas fait Vini, moi, les gars. J'ai pas fait le grand Vini. Il a beaucoup de packs, les gars. Il a des. Waouh, mais frérot, t'as gagné des packs il y a combien de temps, toi, mon ref? Derbo qui a fait le pack icône de base. Il s'est tout simplement régalé. Alors MC, anglais, Henri Frank Lampard ou Steven Gerrard. Je pense qu'à mon avis, attends, c'est je pense Frank Lampard. Je pense que c'est lui et non les amis, j'avais une chance sur 3, j'ai pas été bon, c'est Paul Scholes. Wow, en vrai tu sais que c'est le pire des 3 avant, hein, honnêtement. Entre Paul Scholes, Frank Lampard et Steven Gerrard, c'est clairement le pire à avoir. Après il a pas sensible, ça c'est quand même fort pour un milieu T1. Mais bon, tu vas pas jouer 74 000 crédits, c'est très très peu la vie. Vas-y, je croyais que t'allais me sortir un événement Star Argent, non. Ah, c'est vrai que l'événement Star Argent c'était pas beau. Surtout vu la période à laquelle ils avaient sorti ça. Oh, c'était vraiment dégueulasse les gars. Ah lui il a carrément ouvert son choix de gauche dès le deuxième. T'avais que des 87 d'ailleurs. Marcus Thuram, ça va et toi frérot? Pas l'entraînement là Marcus? Merci Axel pour ton follow, bien vu. Ah, c'est vraiment un très bon titre. Oh j'ai cru qu'il était frérot. Il m'a fait peur. Mais parce qu'en fait il y avait l'animation comme tout à l'heure avec Ronaldinho. Ouais, j'ai vu ça. Oh là là. Les gars je veux dire que l'animation était pareil. Frère en fait je t'ai dit ouais il y a notre Ronaldinho. Pack moi du lourd s'il te plaît Rockman. Qui nous dit, bah y'a pas de soucis, on va essayer mon frérot. Mais là je sais pas pourquoi je le sens très mal, MOC, oh là là. Franchement les gars, le fait, honnêtement les amis, de voir la silhouette du joueur, tu sais quasiment déjà si c'est lourd ou pas. Genre Ronaldinho a voulu dans le tunnel, tu commences à le reconnaître direct, tu vois. Ouais. À R9 il est chauffe, tu reconnais direct aussi. Ah ça trouve claqué l'animation. Ah franchement les gars, elle était mieux les dernières je pense. La Ligue 1, un coup ça gagne, un coup ça perd, un coup ça regagne, après ça repère. C'est ça c'est une fille, les amis on l'a reconnue, buteuse. Suédoise, on est bien évidemment les amis, on pack Lola. Chéline, est-ce qu'elle coûte encore cher elle ou pas? C'est même pas Lola d'ailleurs. C'est Chéline, c'est Lota Chéline. Elle coûte, oh elle vaut 730 000. Ah ouais, elle coûte de zinzin elle les gars par contre. Mais à ce qui paraît elle est un peu robotique, tu sais, elle a Hugminson, Fernando Torres un peu. Et donc Clément les amis qui va s'élancer les gars, il s'en fout des crédits les yeux. C'est vrai que pour à la fin t'auras vraiment plus de crédits Clément. C'est vraiment maintenant ou jamais. Bon les gars j'ai plus me faire avoir comme tout à l'heure parce qu'à ce qui paraît c'est bien blanc les amis quand il y a justement... une icône, là j'ai pu me faire j'aurais pu me faire avoir deux fois avec Lewandowski et même De Bruyne. Mais maintenant qu'on m'a dit que c'était bien blond, je vais plus me faire avoir avec cette fumée les gars, je vous le dis moi les amis. Je vous le dis. Le nombre de choix à 75 000 crédits qui ont dû être ouverts les gars, ça va être une dingue brand. Adegerberg, au milieu à chaque fois c'est jamais trop foufou. Et ensuite après on termine avec Jude Bellingham 90 quand même. C'est toujours un peu les mêmes joueurs en soi qui tombent, hein, comme c'est 85 ou plus. Voici d'ailleurs les gars l'équipe de Roro, Vinicius Junior, Eusebio, Di Maria, Essien, Del Piero, Steven Gerrard, Ashley Cole, Kipembe, Campbell, Frimpong. Thibaut Courtois. Et les amis, il joue même pas avec la Miam. Enfin, il a fait 15 matchs, mais en tout cas, pour l'instant, il est sur le banc. Je suis assez triste. Manuel Akanji, c'est vrai qu'il y a une évolution avec Manuel Akanji.
C'est vrai, c'est vrai. C'était l'évolution du soir notamment. Il abuse, Roro, il est pas bon le bon Viro. Le 1 ou le 2, les gars, dans le chat. Moi, désolé de remettre, je sais pas si t'as vu. En vrai, niveau Pakicon, j'ai eu aucune lose. C'est trop chouette, Stagger quand il était à 400 000, Foody quand il était à 500 000, Shelin et Lucigo. Ah, ça va, t'es bien. Mais après, c'est des joueurs aussi qui vont pas être jouables non plus 8 milliards d'années. Le numéro 2, les gars, c'est parti. Le Pakicon numéro 2 est totalement vert. J'ai l'impression que c'est Véron, me dis pas que c'est lui. Oh, ça va en vrai de vrai. Roro, moi, je trouve qu'en ce moment, te régale, Cam. Hein. Autant avant, quand tu m'invitais, c'était pas non plus la folie. Mais là, un petit David Beckham, c'est quand même sympa. Même si j'imagine que toi, dans l'équipe, ça va être compliqué de pouvoir le caler. Il vaut 300 000 crédits, David Beckham. Du coup, les amis, j'ai l'honneur de vous dire que la réponse à la prédiction, c'est un oui, les gars. Au moins 300K, oui. Puisqu'il coûte 306 000 crédits, précisément. GG à ceux qui ont mis oui, les gars, pour la prédiction. Par contre, il l'avait déjà. Donc, non, c'est une défaite, en fait, finalement, les amis. Et on partit pour le deuxième Pakicon sur ce compte, en espérant que cette fois-ci, il n'y ait pas deux doublons. D'ailleurs, les gars, vous le voyez même pas. Oh, magnifique! Les amis, vous avez même pas vu, vous. Parce que les gars, sans faire exprès, j'ai mis la double scène. J'ai pas fait exprès. Et c'est Cafu, du coup. Oh, lourd, en vrai. Je l'ai déjà. Oh, lui, tu l'as pas déjà, par contre, rassure-moi, frérot. Si t'as aussi Cafu, je vais câbler, là, Roro. Là, vraiment, je vais être dégoûté. Autant Beckham, je veux bien. Non, Cafu, tu l'avais pas déjà. Incroyable. 1 150 000 crédits, Cafu. Mais ton compte, Roro, comment je te régale, mon ref. C'est incroyable. La mini-amal hier dans les récompenses rang 1. Dans son pack 85x30. Mon pote, il était pas fameux, je crois. Mais sinon, même en règle générale, je crois. Ouais, je l'avais packé Eusebio aussi, les gars. Je l'avais packé pas mal de dingueries. Et là, on le régale encore une fois, les amis. Magnifique, ça. En vrai, c'est mérité. Il se la bute tellement. Freepong, je l'ai packé aussi. Bon, en même temps, j'ouvre tous ces packs. Hein. Et là, maintenant, la vraie question, c'est Freepong ou bien Cafu. J'aurais quand même dit Cafu en soi. Ouais, Cafu, ça va être trop dessus. Après, il est moins rapide. Mais au moins, déjà, il t'apporte plus de collectifs en sachant que qui n'avait pas le col. Ah, c'est dimanche. Bon, dans tous les cas, tu verras bien. Mais t'as l'embarras du choix, ça qui est cool. Hein. C'est fou quand même d'avoir autant l'embarras du choix. Bon, normalement, les gars, il a la minimale d'ailleurs. Il a mis Dimara peut-être juste pour le kiff, je sais pas. Mais sinon, il a la minimale. L'équipe, elle est magnifique. Il est en train de faire l'évolution de Kipembe d'ailleurs. Ah, il se régale, les frérons. Sachant qu'il peut mettre Van Dijk. Il a tellement de joueurs. Il lui restera que 1251 crédits. Toi, je te souhaite d'avoir Ronaldinho. Parce que sinon, tu vas pas être content du tout. Lautaro Martinez 89. Ensuite, Karim Benzema. Et dans le dernier, les amis, malheureusement, il y aura pas Ronaldinho. Et ça, c'est vraiment tristouné comme jamais. Deux Pakicon, les amis, sur le compte du Sancho. C'est une fille déjà. On a reconnu ça directement. Et ce sera Shelin, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et qui n'arrête pas de tomber ce soir. J'ai l'impression que c'est Shelin parti, les gars. Shelin, elle tombe énormément. Si t'avais besoin d'une buteuse, tu vas être très content, mon ref. Sachant que là, elle coûte combien maintenant? Elle coûte exactement 711 000 crédits. Mais tu l'avais déjà d'ailleurs. Dur. Elle a commencé vraiment très très dur là pour le coup. Buteur toujours, néerlandais. Buteur néerlandais, t'as rien, t'as Van Basten, Van Nistelrooy, tu as également aussi Kluivert par exemple. Et j'ai bien l'impression que c'est Van Basten, non? Même pas Van Nistelrooy, les gars. Van Nistelrooy 89. En vrai, j'ai beaucoup pété un plomb, c'était sur les défenses. Beaucoup de comptes défavorables dans tous les sens. Défensivement, c'était pas beau. Par contre, magnifique, hein. Le choix 84+, il y a que des 84, merci beaucoup. Alors, franchement, c'est pas mal, non? Vraiment, il a pas été bon, là. 84, oh là là, 84, 84, 84, 84. Oui, 8,84, les amis. Allez, laisse-moi ouvrir la suite parce que toi, t'es catastrophique, vraiment. Mais pas qui que des 84, les amis, qu'est-ce que c'est que ça? On tient un élément, Team of the Week. Bah, c'est pas avec ça qu'on va aller loin, les amis. C'est moi qui vous le dis. Pas d'animation dans le premier, déjà, pour commencer. Ah, c'est une dinguerie, frérot. 84. Allez, c'est du 84 garanti aujourd'hui, allez. Deuxième pack TOTW, attention, une animation, est-ce qu'on va dépasser 84 de général? J'ai l'impression que non, c'est la même en plus, elle vaut rien. Elle, ça fait trois fois que tu l'as, ouais, je crois que ça fait trois fois que je l'ai, hein. au moins. Attention, on est reparti sur les packs Maîtrise Bot Champions 86. Ouais, Pinto. Allez, c'est parti, 83 x 10, les amis, animation quand même. C'est tout simplement Trent Alexander-Arnold. Pas terrible. La chance du monteur a tourné, les amis. Le monteur n'a plus la chance qu'il avait avancé une double d'ailleurs. Ah, tu sais comment on fait pour reconnaître des doubles? Non, je sais pas. Parce que je t'avoue que quand il y avait Kevin et qu'à un moment il expliquait, j'ai pris le passage, j'ai fait hop, cut, poubelle, corbeille. Ah, ça va, ça va. Du coup, non, j'ai pas du tout regardé. Est-ce que t'es content pour que je t'ai vraiment massacré le club? Ou t'en fiches en vrai? C'est vrai que les amis, je suis retourné sur mon compte parce que ça faisait des mois et des mois que j'avais pu jouer au jeu. Mon club a bien été massacré quand même. Buteur nigérian, Victor Osimhen, les amis, pas terrible. Pour des récompenses, fut champions, le monteur il est pas bon. C'est une double d'ailleurs, j'ai reconnu. Et voilà. Non. Ah là, pas de animation. Oh oui, animation. DG, allemand. Ça doit être bien nul. C'est Gutter, non, je crois. Je dis pas de bêtises. Oh, il a crié, les gars, comme s'il venait de packer Ronaldinho. En fait, je m'attendais tellement pas dans un pack comme ça. Ronaldinho, il est pas tombé sur tous les comptes, hein, loin de là.
mon frérot. Oh non, me dis pas que c'est le joueur auquel je pense. Non, les amis, Pavel Nedved. D'ailleurs, vous voulez que je vous raconte, les gars, une petite anecdote? Quand j'étais plus jeune, les gars, j'avais la même coupe de cheveux que Pavel Nedved, les amis. Et ça, je peux vous l'assurer, le bon vieux Kevin, quand il a vu, les gars, ma coupe de cheveux, quand j'avais peut-être, je sais pas, 8 ans, 10 ans, il était choqué. Tu l'as déjà vu, toi, Daniel, peut-être? Oui, tu m'as déjà montré, puis même, tu l'as déjà raconté plein de fois l'histoire. Et oui, les amis. Qui code sur le compte, les gars, du Modo Pacino, qui est supporter un peu ça de l'Atlético Madrid, me dis pas que c'est Hugo Sanchez. MOC brésilien! Ouh! Si c'est Ricardo Kaka, c'est une machine. Ah, si, je crois que c'est Socrates, les gars. Puis ça, c'est vraiment dommage avec la Suède, du coup, tu reconnais un peu les joueurs. Et ouais, ça va être bien évidemment Socrates et non pas Ricardo Kaka, les amis. J'ai vu quelqu'un avec une grosse touffe. Au tout début, je pensais que ça allait être Hugo Sanchez, absolument pas. Après, Socrates, les gars, cette année, attention à ne pas sous-estimer avec le passe incisive. Le passe incisive pour les milieux de terrain, c'est vraiment très fort. Si tu joues avec un numéro 10, en plus, toi, je crois que Pacino, tu joues avec un numéro 10. T'as de quoi faire, honnêtement, avec lui. On l'avait joué, nous, avec Pequeño. Ah, il est pas mauvais, Socrates. Choix 85 plus, les amis, c'est parti, c'est ouvert. Allez, si vous payez, vendez-moi du rêve, donnez-moi du lourd. Joueur attentat avec le bon vieux Alexandre Lacazette. Je vais prendre joueur attentat, j'ai beaucoup trop de boost moi en vrai. Deux choix 85 plus. Là il y a deux joueurs et ensuite après les gars dans l'autre il y aura trois joueurs à l'intérieur. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelque chose si vous payez? C'est plein de choix les gars que je gagne à chaque fois bien évidemment avec la saison. Pour l'instant il y en a pas un qui a payé honnêtement. Ils ont pas envie les gars de nous donner quelque chose j'ai l'impression. 85, 86 et 85. Mais ils sont horribles les choix sur mon compte, c'est abusé. Non, ça veut dire je prends le bon vieux Munoz et après j'ai les deux. Magnifique. En vrai ce qui est bien c'est que Munoz normalement il va prendre un upgrade. De toute façon, logiquement, les joueurs, enfin, c'est même sûr, les joueurs peuvent prendre un plus 2. Après, ça dépend aussi s'ils sont bons ou pas du tout. Mais Crystal Palace a été bon. En plus, ça, je crois qu'ils ont fait un match nul contre Manchester City ce week-end. Allez, on veut du lourd là, Yesport. 2,87. Un troisième 87, j'imagine. Non, même pas 85. Et on termine avec du 86. C'est pas non plus terrible, terrible les choix 85 plus, honnêtement. Ah, t'as des choix de la saison. Ça, c'est beau, ça, les amis. 5 joueurs, 85 ou plus, les amis. Allez, on veut du lourd. On a eu un peu de tout, les gars. On a eu du boost. On a même eu du Ultimate Succession et Emiliano Martinez. Tu veux qui, Derbo? Emiliano, non? Et Emiliano Martinez. Allez, 3 joueurs à 86 ou plus. Allez, Yesport, dégainez-moi du lourd, s'il vous plaît. Mike Maignan. Ouh, Ruben Dias. Et on termine avec Alexandra Pop. Ouais, bon. On a connu mieux qu'avant. Tu sais que t'as pas été bon, Resox. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Black Friday. Les manettes étaient beaucoup moins chères durant le BF. C'est pareil pour l'abonnement à PlayStation. C'était beaucoup moins cher durant le BF. Ada Ekerberg, est-ce qu'on peut avoir une double animation par pur hasard, Yesport? Et c'est une double anime magnifique avec. Chaud, il a raison, même moi des fois la manette bug, tu la mets un ou deux coups et elle arrête de bugger. Mais les gars arrêtez de dire ça, il y en a vraiment qui vont le faire et derrière leur manette vont bugger, ils vont vous insulter. Dites pas n'importe quoi les amis. En fait Bobby les gars il se fait des petits programmes et tout, il se dit alors le lundi c'est Revolts, le mardi les amis on part directement en playoff, le mercredi je vais en club pro pour faire les défis, le jeudi alors là du coup c'est le mode carrière, le vendredi bon il y a Fut Champion du coup je vais faire Fut Champion, faut pas oublier, le samedi faut pas oublier Clash Equipe aussi également, c'est un sacré programme les gars. C'est un programme chargé de son code. Bonjour à tous, moi j'ai eu Ronaldinho mais pas dans le pack choix. Est-ce que c'est aussi un bug? Est-ce que c'est aussi un bug? Dans le pack choix, non mais justement c'est là où il y a le bug et il douche. Ah non, pas dans le pack choix, est-ce que c'est aussi un... Non, c'est pas un bug du coup frérot. J'avais mal lu ton message, excuse-moi. Mais non, du coup c'est pas un bug. Là où Ronaldinho il a le plus de pourcentage de chances de tomber, c'est dans le choix à 75 000 crédits. Magnifique ça. AD, anglaise. Et c'est mid du coup les rues. Tu sais que vous rigolez les gars dans le chat, mais je vous assure qu'il y en a qui doivent vraiment se faire un programme. Ils doivent se dire tel jour je fais ceci. Et en même temps, il y a tellement de choses à faire sur le jeu, tu t'ennuies jamais. Hein. Si t'as vraiment envie de jouer au jeu tous les jours, t'as de quoi faire. PTR, j'ai mon programme aussi pour la semaine. C'est une dérive ça, les gars. Y'en a qui se font des programmes muscu, y'en a qui se font des programmes FC25. Chacun ses délires, hein, comme on dit. Ouh, allez, c'est un 82x20. En plus de ça, y'a Yano Black déjà pour commencer. Est-ce qu'on peut avoir au moins la petite double? C'est tout ce qu'on vous demande, Esport. Une petite double. Et il y aura une double animation. Luka Modric, on l'a déjà juste avant. Il va tomber dans tous les packs, en fait, j'ai capté. Et ça, l'équipe ne bouge pas jusqu'à la Totti, surtout l'attaque. Mbappé, Messi, Vini, Potem, Gerzinho, Fulgurance. Bon, après, t'as tellement une attaque de zinzin, toi aussi, frérot. Bon, les 80 x2, les gars, on en a fait 5. Qu'est-ce que je fais paquet du radar? Oh, il y a une animation, quand même, les gars. Mais attention, mais respectez ces packs, en fait, finalement. Respectez-les, ça, c'est la nouveauté du soir. Et on repart avec 4 autos, du coup, à l'intérieur. Allez, pourquoi pas. Bon, il n'y aura pas de double animation, il faut pas non plus rêver. Il y a un petit 80 x2 avec 4 autos. Je ne dis pas non. L'animation, les gars, maintenant, ne veut plus tomber, non. Oh, il y a une animation pour acheter skipper, mais non. Il y a quand même eu 2 animes sur 4 packs. Hein. Bon, après, c'est Alexandra Pop, c'est pas non plus un truc de fou. Mais ça va, 2 animes sur 4 packs. Franchement, les 80 x2, respectez-les, les gars. Bon, là, par contre, il n'y a pas d'anime. Il va ouvrir un pack icône, les amis. Et regardez, il a déjà Keman, Lam, Ashley Cole, Riquelme au niveau des icônes. Bon, après, les joueurs que tu pars en doublon, en soi, c'est Keman ou même Philippe Lam. Je te souhaite pas un doublon. Le pack à 425 000 du coup de la boutique inclut une icône de base de gène jusqu'à 91 plus 20 éléments joie horreur de gène 82+. Vous l'avez bien compris du coup les gars, c'est un 82x20 avec une icône à 91 max. 16% de chance de paquer une carte Ultimate Succession. C'est parti, c'est ouvert les amis. Est-ce qu'on peut repartir avec une dinguerie monumentale ou pas du tout? Buteur portugais. Attends, c'est Eusebio? Mais non, c'est pas possible les gars, Eusebio. BU portugais. Ah si, c'est Eusebio je crois. Je crois que c'est Eusebio, mais si, Eusebio il est BU. Il a 91 de gène. Mail 86 et normalement les amis c'est Eusebio.
Et c'est le bon vieux Zebio dans le pack de la boutique. Incroyable, les amis. Alors toi, c'était 30 euros les plus rentables de toute ta vie, je pense. Oh là 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 là, magnifique. Eusebio, 91, il vaut combien lui exactement? Oh, oh, 3 800 000, ah ouais, la dinguerie, frérot. Oh, lui, il est bien de fou malade. Oh là 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 là, ça fait deux fois déjà qu'on le pack, les gars, cette année, Eusebio. En l'espace de une voire deux semaines. Incroyable. Eusebio, 91, dans ce pack icône. 91 max du coup les gars, 4 étoiles avec 5 étoiles de moitié pied. Il peut jouer que buteur, mais en sachant qu'à l'époque il était assez, rappelez-vous, quand il y avait encore le poste d'avant-centre, ou même daté pour les anciens. Il a rapide plus en termes de pestal plus, sinon foulé rapide, power shoot en termes de pestal tout court. Faux numéro 9, plus plus, pour Eusebio, c'est magnifique. GG mon frérot, tu t'es régalé. Et maintenant la vraie question, il avait qui de base en buteur? Oh, t'avais Luis Openda, bah alors là Luis, plus de ça il est vendable, tu pourras le revendre. Et là on met Eusebio. Laissons la place au GOAT, au grand Eusebio da Silva Ferreira. Elle prend de plus en plus forme en vrai ton équipe du Racing Club de Lens, quand même. Frankowski, Danso, Machado, Thomasson, Andy Diouf, Wesley Saïd. Ça prend de plus en plus forme, les gars, je trouve. Ça, c'est plutôt pas mal. Pack icône de base sur ce compte. C'est un OSPAC et c'est totalement ouvert. Allez, une belle icône, s'il vous plaît. Une icône de zinzin. Buteur néerlandais. Oh, ah ouais, non, là, t'as personne en vrai. T'as Justin. J'allais dire Justin. Non, c'est Patrick Kluivert, Van Basten, Van Nistelrooy. T'as beaucoup trop de défaites et ça va être en plus ça Patrick Kluivert, le down de Justin Kluivert forcément les amis. Et ça, ça fait vraiment très très mal, ça vaut 70k à peine. Animation, j'ai skippé comme un bête. Ah là là, j'ai pas été bon. Déclare Royce. Et Joe Attenta, il y a même double anime. En télé les gars, c'est 80x2. Ça vous coûte que dalle, vous avez à mettre 6 hors rares et 2 hors communs. Et puis il y a des animations si jamais vous voulez un peu fortifier votre club. Bon, moi comme ça c'est toujours top en soi. N'hésitez pas les gars à tenter. T'avais encore en club rush. Ah ouais, t'avais pas encore vu. Tu vois, il te manque combien d'XP là du coup Noémie? Allez le soldat. Le soldat s'il te plaît. Permets-moi de repartir avec une dinguerie monumentale. On compte sur toi le soldat. On va avoir une icône de zinzin après avoir packé Handgerer. Et on a packé aussi également, les amis, le bon vieux Luis Hernandez. Je crois que c'est Patrick Vira. Oh là 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 là. Il m'a demandé d'avoir du lourd. Et le soldat te sert sur le plateau. C'est comme ça, c'est cadeau, c'est patoche. Et ça, c'est magnifique. Le soldat, les amis, il faut le respecter. Je vous le dis, ce n'est pas n'importe qui. Patrick Vira après avoir packé Eusebio ce soir. On pack Patrick Vira ce soir les amis, c'est la fête. Tenez, c'est comme ça, c'est cadeau les gars. Il vaut 2 millions de crédits, 1 900 000 précisément pour Patoche. Tu me l'as demandé Elias et tu l'as eu. Incroyable mon frérot, exceptionnel tout ça. Patrick Vira, oh. Double 3, enfin, je vais quand même c'est par contre. La carte elle est démentielle, tu y vas te régaler avec. Sinos pack tiens pour ce pack icône. Allez régalez nous s'il vous plaît Esport. Soyez bon. On veut une dinguerie MC anglais. Steven Gerrard, Frank Lampard. Ou peut-être Paul Scholes. Et à mon avis, ça va être Paul Scholes comme d'habitude. Esport, vous aimez trop nous le donner, lui. Et non, même pas. Ça va être Steven Gerrard, du coup. Je sais plus trop comment il coûte, lui, par contre, Steven Gerrard, je t'avoue. Il a carrément mis son jeu, par contre, en anglais. Est-ce que ça paye réellement de mettre son jeu dans une autre langue? DC, italien. Ouh, si c'est Paolo Maldini. Là, Esport, on est d'accord. Mais je crois que ça va être Alessandro Nesta, ça, à mon avis. Ça va pas être Paolo Maldini. On est d'accord. Ah, c'est dommage. En plus, ça, il attaque le glisser aussi en termes de pestel plus. Mais nous on voulait le grand Maldini, c'est ce qui nous intéressait le plus. Le pack buggé, ça que tu veux dire Yoyo? Oh, il y a l'anime. C'était quoi ça les gars comme pack? Gardien, allemand, Ter Stegen. Mais c'était pas un pack 75 plus x 20 truc du jour? J'ai même pas vu les gars le pack là que j'ai ouvert. J'ai ouvert comme ça mais sans regarder. Bon, y a pas de double. Les gars, c'est quoi le bug du store? C'est intéressant, c'est moins 90, c'est héros de base, on donne quoi au juste? Les gars, n'ouvrez pas en vrai le pack. C'est un bug, si tu trouves sur application web en chinois, ce qui paraît tu peux avoir potentiellement une compensation là, dans le pack icon héros mais les gars, entre ce qu'ils disent et ce qui sera vraiment véridique, les amis, il y a deux poids, deux mesures. Ils vont le faire 4 fois. Ouais. Ah ouais, ça va, c'est quand même 75 fois moins à la fin en soi. Hein. C'est quand même pas dégueu. C'est ça, Enzo. Tous les jours, il y a des bugs. Tous les jours, les gars, il va y avoir une compensation si ça continue. C'est une dégueu. En fait, les renforts 80 plus en 7 packs, j'ai eu Terrandez, Régule et Gérard 89 fois ça. Toi, c'est bien tombé, Billy Boy, du coup. Toi, je t'ai plutôt bien mis. Pack icon, les gars, de base. 91 au plus. 51% du chat pense que non. 93 au plus. 49% de l'autre partie du chat pense que non, les amis. Allez, un petit R9. Du lourd, s'il vous plaît. Le soldat, les amis. Qui va ouvrir ce pack, c'est parti. C'est totalement ouvert les gars. Et avec qui on va repartir? Oh non, je l'ai reconnu en plus d'entrée. J'ai pas voulu le dire, mais je l'ai reconnu d'entrée. Les amis, si je vous dis gardienne allemande, c'est bien évidemment Angerer 92. Oh là 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 là, c'est terrible et pathétique les gars. Dur. Ah ouais non, Ramon c'est dur comme tu le dis, c'est bien. Ah c'est dégueulasse. Là vraiment, elle est injouable. Autant tu vois, tu packs un Van Basten, tu dis bon allez, pourquoi pas au pire des cas le tester. Mais là en vigueur les gars, c'est clairement la pire joueuse, c'est la pire gardienne possible en fait. Elle va te faire zéro parade, c'est comme Campos, hein. Trop compliqué. Moi j'ai déjà joué contre elle, elle fait aucune différence les gars. Oh là là que c'est dur.